Pourquoi j'ai changé mon PC fixe en un PC portable et donc pourquoi j'ai acheté le MSI Creator Z16? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui et en fin de vidéo je vous montrerai également le avant-après de mon setup. Petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée et avant tout en tant que vidéaste, j'étais obligé de vous présenter cette nouveauté de manière spectaculaire. Alors installez-vous confortablement, préparez vos popcorns, séquence cinéma. C'est une chasse au trésor. Hein. C'est quoi ton masque tout claqué là? Allez, viens, on a faim, on va partager le trésor. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de finir vos popcorns, mais cette petite séquence mérite quand même un like, non? En tout cas, on s'est bien amusé à la tournée, même si c'était très long. Bref, pourquoi j'ai acheté ce PC? Il y a 2 ans, j'avais construit mon PC fixe avec un professionnel, et j'étais bien content comme c'était mon premier. Mais depuis plus d'1 an, j'ai commencé les études supérieures, et je crée des vidéos de plus en plus élaborées. Autant vous dire qu'il y a 2 problèmes. 1, j'ai passé toute ma première année d'études sans PC portable, sachant que j'étudie dans le multimédia, donc on passe nos journées sur les PC, et sachant que les PC de mon IUT sont éclatés et les logiciels n'en parlons pas, autant vous dire que je faisais tout chez moi en revenant. Et deuxièmement, mon PC fixe était puissant, mais pas assez pour mon activité. Si vous faites de la vidéo, vous savez à quel point ça demande des ressources. Maintenant, pour choisir quel PC portable je voulais acheter, je me suis fixé quelques points. Donc je voulais 32 Go de RAM, une bonne carte graphique, genre RTX 2070, 2080, 3060 ou 3070, 1 Tera de SSD en stockage, un écran de qualité, éventuellement un port pour carte SD et aussi éventuellement un design épuré. En cherchant longtemps et en hésitant beaucoup, j'ai fini par acheter le MSI Creator Z16 qui venait de sortir. 32 Go de RAM, RTX 3060, 1 Tera SSD, écran QHD+, port micro SD, design épuré style MacBook, tout ce dont j'avais besoin. Ah, et il coûte 2 700 €. Ça fait mal quand même. Je suis pas là pour vous vendre le PC, mais comme je sais que ce genre de vidéo peut attirer des personnes concernées par l'achat du produit, je vais vous donner quelques remarques après 1 mois et demi d'utilisation. Sur Premiere Pro, on exporte une vidéo de 3 minutes cinématique avec pas mal d'effets en Full HD avec 20 Mbps seconde de 450 MO, ça a mis 8 minutes. Un export de 16 minutes d'une vidéo YouTube basique avec quelques effets en Full HD avec 10 Mbps seconde, 1,2 Go de vidéo, 9 minutes. La batterie sur Premiere Pro, j'ai pas testé mais je dirais entre 1 et 2 heures. Sur Illustrator Photoshop, 3-4 heures. Pour du bureautique ou internet, je dirais plus de 5 heures. En dessous de 30% de batterie, il commence un peu à y avoir des bugs sur Premiere. Et le temps de recharge, c'est un peu plus d'une heure. Pour les ventilateurs, en général, ils sont silencieux, on les entend même pas du tout. Et ils deviennent un peu bruyants sur des grosses tâches comme des exports de vidéos, des analyses d'effets ou par exemple sur After Effects. Ce PC ne me révolutionne pas la vie parce que j'étais quand même déjà habitué à quelque chose de bien, mais j'en suis quand même très content. Par contre, pouvoir transporter toute cette puissance dans un PC portable, ça me change vraiment la vie.
Bon, il est temps de vous montrer le setup maintenant, ce qu'il y a juste devant moi. Et pour faire le comparatif, voilà mon setup avant. Et mon setup après. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas uniquement changé le PC, j'ai racheté un clavier, une souris, un tapis, un casque, un hub et un bureau. Avant c'était que des accessoires cheap et style gamer et j'en avais marre de la mauvaise qualité de tout ça et des fils qui traînent. Donc oui, j'ai fait craquer la CB mais c'était nécessaire. Maintenant c'est épuré avec tout en noir, clavier souris sans fil et casque Bluetooth. Pour le câblage du PC, en fait, je l'utilise comme une tour quand je suis chez moi, du coup il est branché au hub USB-C qui est relié à mes deux écrans en HDMI. Ce que je voulais au départ, c'était pouvoir brancher ou débrancher mon PC en un câble grâce au hub USB-C pour passer du coup du portable au setup. C'est presque le cas, mais j'ai quand même les enceintes à brancher et le câble d'alimentation, sachant que sur le hub, il y a un port Thunderbolt qui me permettrait de brancher une alimentation directement au hub, mais ça veut dire qu'il faut encore que je paye 70 balles, donc ça commence à faire mal. Bref, aussi petit détail, mais qui n'est pas des moindres, j'ai déplacé mon ruban LED qui était autour de mon bureau sur mon mur, comme vous pouvez voir juste ici, et franchement, j'adore. On dirait presque un TikToker le mec, mais non, je vais quand même pas mettre à TikTok. Merci d'être resté jusqu'au bout. Sur ce, je vous dis ciao.